Non, en fait, c'est tellement facile que ça a l'air difficile, en fait. Bah, qui a dit que ce serait facile? Hasard? Qui a dit que ce serait facile? Qu'est-ce que je veux dire par le mot facile? Tu vois, c'est ça, voilà, là aussi, on touche à un point difficile, facile. Et, sans effort. Tu vois, il y a un rapport comme ça. Sans le vouloir imposer, tu vois. Ouais. Que les choses se passent. Ouais. Il n'y a pas de... Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intensité. Ouais. Moi, j'ai un rapport au doux et intense, quoi. Ce truc de dans le calme, mais comme je dis, tu respires super profondément, mais tu fais un 100 mètres. Ouais. Tu vois, tu respires comme ça, et ton corps il fait ça. Je suis en train d'expérimenter avec la non-respiration dans tout ce qui est méditation en ce moment. Ouais, bah, l'apnée, c'est la diffusion de... Dans le Qigong, en tout cas, c'est la diffusion du Qi dans le corps. Hein. En gros, tu inspires, tu manges, tu fais l'apnée, ça se diffuse dans ton corps. Tu expires, tu équilibres. Un truc un peu comme ça. Ah. Ah bon, je touche plus. Sens bien, t'as les pieds super luxe. Pardon? T'as des pieds super luxe. Ouais. Alors c'est le luxe de la lumière ou c'est le luxe c'est le luxe de la luxure ou c'est le luxe de Luxembourg ou c'est le luxe de... Je crois que c'est le luxe bah oui, luxure à mon avis. Parce que le mot luxe, genre oh, t'as vu, j'étais beau, c'est luxure, c'est ça. Ça vient du mot luxure, donc ouais, c'est luxe. J'arrête même pas de... Et donc ça, c'est le pied hyper stylé qui a coûté rien du tout chez Thomas. C'est le pied de la masturbation ou du soleil? La luxure, la masturbation. Hein. La masturbation. Puis, la luxure, il y en a qui la mettent là. Dans le... Et du coup, ouais, comme je dis, luxe, lumière, c'est assez phallique quand même. Oui. Donc, je suis un homme, hein, je ne vais pas faire semblant d'être autre chose que je ne suis pas. Voilà, j'aime bien les objets phalliques qui représentent mon pouvoir masculin. Ah, j'adore les mots, en tout cas, c'est marrant. Regarde, jouer avec, c'est gay. Jouer avec les mots. Non. C'est marrant, c'est quoi que j'ai eu ce matin qui m'a fait rire? Par rapport à la lecture, parce que moi je lis rien, ou très très peu. J'ai quelques pages de Krishnamurti il y a bien longtemps, encore il n'y a pas longtemps. Ah, ouais. Mais bah, il est là, pas. J'ai déjà refilé le bouquin à un autre ami, de toute façon je lis vraiment très peu. Même lui, j'ai jamais fini un de ces bouquins, tu vois, bref. C'était lequel? Et du coup, ouais, mais en fait, moi je lis la musique. C'est que t'entends... Ah bah il est là, Krishnamurti, tiens. Et pas je lis les partitions. Ouais, ouais, ouais. Quand tu mets un disque, qu'est-ce que tu dis? Ouais, lecteur de cassette. Ouais. Tu vois? Le lecteur de cassette. Ouais. Lecteur de disque, lecteur de... C'était un peu marrant, hein, j'ai vraiment eu ça, c'était pas encore tombé en fait, mais moi je lis beaucoup. Ouais. Mais je lis mes vinyles. C'est ça. Et ils m'apprennent beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup dans la musique. Quoi là? Ça, c'est la nouvelle du matin. Voilà. La nouvelle du matin. Ah. Bouche le temps. Ce que moi je fais quand c'est l'été, enfin même maintenant en fait, je... La musique, ici, pouf, et puis j'écris ou je joue, genre. Avec la vue. J'ai pas besoin de plus en fait. Enfin, si, de manger et de boire quand même. Wow. Moi, ça, c'est fou. Alors, moi, je pourrais pas. La ville? Ou qu'est-ce moi, que c'est fini, en fait, c'est clair, la ville, j'aime bien y passer, y faire des choses. Je suis très reconnaissant de la diversité qui m'a fait croiser Bruxelles. Mais le son de la ville, l'activité de la ville, le... Alors là... Waouh. Ouais, j'entends. Waouh. J'aime bien, j'adore la nature, voilà, tu vois, moi je me colle aux arbres, je machin, je bazar. C'est bon, quoi. Je dis bonjour au soleil, je parle avec les oiseaux, je mets ma sur les chevaux, il y a tout un truc où... Qu'est-ce que c'est bien plus tranquille que l'esprit humain, en fait. Je sais pas. Je suis peut-être dans une illusion à ce niveau-là, mais je me dis qu'il y a un potentiel intéressant à la ville. Ouais, si. Dans le sens où... Hey, je te donne un exemple, je prends le métro. Et je suis là et je sais pas pourquoi, je suis en mode sourire. Je suis hyper content. Les énergies sont comme ça. Et tout le monde sur son GSM, bien sûr. Et GSM ou livre ou... Ouais, et à un moment, t'as une meuf qui est genre à 10 mètres.
on se regarde dans les yeux et il regarde ailleurs, tu vois. Mmh. Et du coup, j'ai capté, et moi, je lui fais un sourire, tu vois, et qu'elle me regarde à nouveau. Et puis moi, je fais genre, je suis sur mon téléphone, tu vois, je fais genre comme ça, et elle a pété de rire, tu vois, et je me suis dit, tu vois, il y a moyen. Ah bah non, mais d'office. Mais c'est genre... Il y a moyen de déglacer. Ouais, ouais. Et tu vois, comme je dis, je suis pas en ville, je suis pas horrifié, mais y vivre, non. Il y a un son et une activité, t'es traversé quand même par beaucoup de choses, beaucoup de... Ouais. Après, voilà, les gens que je croise en campagne, je te dis, bah... C'est la même chose, c'est pas pire. Hein. Mmh. Mais toujours aussi, ouais, il y a un truc de... Je crois qu'au moins, je pose jugement d'un regard que j'ai sur les gens, ben, au plus facilement tu déglaces celui qu'ils ont posé sur toi. Ouais. Parce que t'es tranquille, je suis tranquille, voilà, je dis bonjour, je machin. Je sais que les gens sont surpris de voir ma gueule avec tout le bazar. Quoi, y a pas de passé de l'artiste à l'art de vivre. Ouais, ouais. Et d'aller aussi les 3 mois au Japon, c'est marrant, hein, parce que j'avais déjà ce truc un peu dans le crâne comme ça, et du coup on est passé au studio de Ono Kazo, qui est un des deux fondateurs des grands courants buto, en tout cas, au Japon. Mm. Et là, bah, lui, il est décédé, c'était son frère qui a déjà 70 ans, qui était là. Et qui disait, on est une pièce d'art, chacun est une pièce d'art. Mm. Moi, quand je me balade comme ça et que tous les gens font... Et qui rigole, ou qui machin, ou qui truc, et ben c'est bon, c'est... Je suis bien plus content de faire de l'art comme ça, mmh. L'art de vivre, comme je dis, mmh. Que la boîte noire avec des gens assis devant moi. Ça me... C'est fini. L'art comme produit, putain. Ouais, ou comme mise en situation, en tout cas. Toi, je n'aime pas jusqu'à dire à produit et tout, mais c'est aussi de nouveau, c'est personnel, un truc de... Oh non, mais il y a raison. Tu vois, le... Bah toi, t'étais déjà venu, je t'avais invité dans ce truc où on joue en cercle et machin et tout. Ouais. Je te rappelle à la brique, hein, c'est quoi ta place Litz? Ouais, là. Attends, place Litz. Je te vois toi avec la basse là en tout cas. Je t'ai appelé une fois dans une formule d'improvisation où on est en cercle avec les gens dedans. Et... Ouais, il y a moyen. Ah, mais oui. La dernière fois, t'étais pas venu aussi. La dernière fois qu'on a fait un truc aussi, c'était le truc sur la mort et la renaissance. Ah bah voilà, ah bah c'est la même chose. C'était ce truc. Ouais, ah ouais, t'étais là aussi. J'étais là aussi. Moi, ouais. Je remontais. Bah, t'avais déjà fait ça une fois. Quoi. Ouais. Mais le truc avec ça, c'est. Mais je le fais si peu, moi, que c'est pour ça que j'ai une bonne mémoire. Et tu vois, quand je te disais, tu vois, je fais pas beaucoup de trucs, donc c'est inquiète. Ouais. Mais, et ben, tu veux savoir un truc marrant? Je crois depuis 3-4 mois. Et ce truc de je ne me sens plus mal d'avoir une mémoire de merde. C'est peur. C'est-à-dire, oui, je fais plein de trucs et les gens se souviennent de moi et puis genre, oui, désolé, je suis c'est pas grave, on passe à maman maintenant. Vraiment, ouais. Le présent c'est bon. Ouais, ouais. Là maintenant, là. Hey. Mais j'ai du mal avec le futur. Je planifie encore beaucoup, je trouve, à ce niveau-là. Je pense que projeter, planifier, je pense. Tu vois, moi je parle un peu de ça, là, de... Que ce soit le futur, que ce soit notre idéal, le machin, s'il est arrivé il n'y a pas longtemps, là, je parle de ça, là. Et du coup, le goal, tu vois. Ouais. Je pense que c'est chouette de l'avoir, ouais. Parce que ça nourrit aussi. Ouais. Mais, c'est plus, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne se passe pas? C'est là qu'elle est ma question. Ah, ouais. L'avoir, c'est bien, mais se dire que... Et alors, du coup, ben, beaucoup de gens sont là, et ce qu'ils oublient, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ils oublient le chemin. Ouais, et ouais, le chemin, c'est le présent. Ouais. La conscience que tu as maintenant, mais c'est voilà, rêver c'est beau. Ouais, rêver. Voilà, pour le traduire simplement, rêver c'est beau. Ouais, rêver. Et l'illusion elle est belle, mais si t'en fais pas, si t'en fais pas une raison, voilà. Tu sais que j'ai vécu un petit truc en revenant du Portugal en avion. T'avais une maman, enfin pas une maman, une femme africaine, quoi. Une jeune, mais vraiment, elle était habillée, canon et tout ce que tu veux. Et moi, je suis assis juste à côté de la pancarte en mode les heures d'avion et tout ce que tu veux. Et genre, donc c'est là, elle me dit, bonjour, je dois aller ici, blablabla, c'est où? Et moi, je suis là, mais regarde, la pancarte est là, c'est pas affiché, hein. Et en fait, elle regardait même pas, quoi. C'était juste en mode, je veux l'attention, tu vois. Ouais. Et donc, t'as comme ça. Et elle a réussi, tu vois, à être là. Et puis, t'as plein d'hommes qui étaient autour d'elle. Et je me dis, mais putain, ça, c'est ça l'illusion, tu vois.
C'est la beauté ou le rêve, c'est la beauté du truc que, ah, si je fais le bien, j'aurai peut-être une récompense et j'aurai peut-être le paradis que cette femme veut offrir. Et franchement, je lui dis merci, quoi. Elle m'a montré un truc magique, quoi. Là, dans un aéroport portugais, enfin de Lisbonne, en fait. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais non, je sais juste que ça m'a parlé, ça m'a vraiment marqué, quoi. Le rêve, quoi. Ah, Lisbonne. Lisbonne. Je bois. Ah, j'espère aller au Portugal aussi. Je crois que c'est là que j'ai trouvé quelqu'un qui est une chouette productrice. Ah. Voilà, manageuse productrice. Que j'ai croisé il n'y a pas longtemps dans une cérémonie champile. Où ils m'ont invité à venir chanter et tout. Cool. Ouais, de plus en plus, on me convie à venir chanter parce que ça fait du bien. On dit que t'as pas de retour au truc. Et ces pensées-là sont là. Mm. Ça, si j'essaie de dire à beaucoup de gens, on a beaucoup de pensées similaires. Mm. Mais le peu de trucs que j'ai lu sur la méditation, ou le peu, je ne sais pas si je l'ai lu celui-là aussi, j'ai croisé quelqu'un. Mais le principe est simple, c'est tu laisses passer les pensées. Mm. C'est pas que tu penses plus, c'est que tu fais pas à chaque point, parce qu'on n'arrête pas, j'ai ma tête, elle... Pour le moment, il y a ça, il y a vraiment un truc de pensée constante. Et ce qui me détache de ça, c'est la musique, la danse dans l'action, ou alors comme je dis, le voilà, juste être là et voilà, tu regardes ça, observer, tu vois, ça. Voilà, un truc comme ça, le ouais. Voilà, quoi. Cette fumée là-bas, enfin voilà quoi, et regarder ce qui est là maintenant, ça, c'est beaucoup, je disais, je l'ai encore dit ce week-end là, quand j'ai donné le stage, là, on pense tout le temps et machin, et du coup, ça m'a éveillé à m'écouter, à me dire, mais tiens, et là je remarque, ah mais non, il y a quand même possibilité aussi d'être juste, d'être juste là. Ouais, c'est un choix, en fait c'est un choix seconde par seconde, presque. C'est, bon, c'est, bon moi je sais pas si je maîtrise le bouddhisme ou quoi, mais j'ai été faire une espèce de retraite vipassana, je sais pas si tu vois ce que c'est, ouais. Les 10 jours là. C'est quelque chose, et hein. C'est ça le truc qu'il dit, c'est oui, si tu penses aux 10 jours, il n'y a pas moyen, mais si tu prends seconde par seconde. C'est gérable. C'est rude, je pense. Moi, je ne l'ai jamais fait, je crois pas que je le ferai. Même j'ai imposé le silence. En fait, j'ai un truc de me dire que tout. C'est là que je crois que beaucoup de gens, à un moment, me font annoncer, c'est plus possible, c'est pas possible. Je me dis que tout a démarré de rien. Et qu'il est possible que moi je démarre tout de rien. Ouais. Voilà. Et ça veut pas dire que je. Mais c'est vrai que de nouveau, tu mets dans des formes où il faut faire un exercice pour atteindre tel état de machin. De. Moi j'en suis vraiment à écoute-toi, ce que tu es toi, et de là emploie les millions de cultes que tu veux. Mais l'essence elle est dans l'écoute de mon corps et dans l'écoute de ma personne, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça. Ouais. Ça c'est pas facile. Ouais. Ah. Et la façon de le partager de nouveau par la musique, je dois pas dire grand chose en fait. Le fait d'être, la confiance c'est le fait d'être, c'est le. Si on est confiant que juste être là, ben, ça dégage, ben ça c'est beau en fait. C'est beau. Je juste être là. Ah, je voulais y aller là cet hiver, là tout l'hiver, mais. Au Japon ? Au Kivu. Ouais, le Japon, j'ai fait 3 mois l'année passée, c'est bon, je sais que je suis accueilli dans des îles tout près de Taïwan, là, en dessous d'Okinawa, et je sais qu'aux alentours de Tokyo, il y a 2 fermes où je pourrais aller toute ma vie. Enfin voilà, je sais que ça c'est fait, les cachets sont faits. Mais je m'étais dit, Kivu quoi, mais je suis revenu cette année et en gros, j'ai plus eu mes stages de danse que je donnais pour enfants, qui était un peu ma seule rentrée d'argent fixe et clair et qui faisait un peu toutes les vacances scolaires. Donc, vu que j'ai plus eu ça, j'ai pas couru de chercher un autre boulot que truc que machin. Comme je dis, les choses sont bien passées. Mais je crois que je vais quand même me faire le Sénégal. Normalement, à partir de mi-janvier, fin janvier, je pars de nouveau 2-3 mois au Sénégal. Quoi. Afrique quand même. Ouais. J'ai envie de ça. Ouais. Business, hein. C'est sûr que ce truc-là, les chroniques inutiles, ça marche pas trop. C'est pas la première fois que des gens annulent après qu'ils checkent. Ça, c'est bien de pas checker. Non,
Mais tu vois. Non, mais tu vois. Ah, mais vraiment, parce que peut-être j'aurais appris que tu vois, j'aurais vu que c'était pas mieux. T'aurais vu, peut-être il y a pas y a venu que 10, ou quoi, venus, où je me serais dit, ah, tiens, eh, mais non, mais tu vois. Chez moi, je suis en plein rangement, je sais pas toi, mais t'inquiète, qu'il y a aucun problème. Je suis bien content d'être là. Radio Cristal. Radio Cristal. C'était le nom de la radio où je venais mixer ici. Les premières émissions radio que j'ai fait de ma vie. Et je pense que je venais aussi le dimanche matin ou le samedi matin. C'était assez tôt le matin. Je venais passer mes 3 heures de vinyle. Sans un mot en général. Ou très peu. Mais en fait, c'était une radio quoi, FM vraiment. Ah oui, à cette époque-là, c'était pas net. Ouais. C'était avec l'émetteur dans l'appartement. Et... Ah, dans l'appartement. Ah oui, c'était dans un appart comme ici. Ouais. Bah tu vois, maintenant c'est tout digital, pas besoin d'émetteur, ça, juste une connexion internet. Plus la grosse machine là, c'est ça. Il n'y a plus la connexion pirate. plus la connexion, putain j'avoue. Il n'était pas en légal alors ou si, je pense que. Okay. Oh, quand même, ouais, c'était Radio Cristal, je ne sais plus combien. J'ai envie de dire 105 points, mais je sais plus. Enfin bon, ça peut se trouver. Tu vois, c'était juste il y a 23 ans. Hein. J'avais quel âge? Okay. J'avais 7 ans. J'étais juste là, tu vois, donc ouais. Ouais, je vais déconnecter après. Oh, tu peux même le laisser. Comme ça, si l'instrument il joue, il aura son micro. Voilà, ça c'est donc l'intro de cette émission. Et donc je suis rejoint par... Enfin, comment je t'appelle? Docteur Yvan Maboul, maître des 70 dimensions. Et... Pas mal. Tu veux, attends, tu peux m'appeler Nyatimage, toi. Nyatimage. Qui veut dire buffle d'eau en swahili. Sérieux? Nyatimage. Ouais, Maï, ouais, ça j'avais capté. Ah. Maï et Nyati. Il faut que je m'entraîne à mon swahili à nouveau, quoi. Ouais, moi, j'y connais rien. Mais je suis allé là-bas, et après 3 semaines, je parlais et tout. Mm. Je reviens ici, pouf, c'est parti, tu vois. Ah, c'est un rapport aux langues. Ouais, ouais. Bon, c'est la pratique, quoi, mais bon. Ouais, l'envie d'apprendre. Ouais. Ça me dérange pas de pas comprendre ce que les gens disent à côté de moi, en fait. Il y a aussi ce rapport-là de... Bah, je l'ai vu au Japon, je suis parti 3 mois, j'avais pas un bal, j'avais lui et ma guitare. Et... Mmh. Je crois que pour moi, c'est plus une question de curiosité, tu vois. Ouais, genre le délire de c'est quoi ce truc? J'ai envie d'apprendre ça. Tu vois, on parlait de rêve là tout de suite et tout, ouais, c'est plus cette espèce de relation à découvrir et tout et aller là, apprendre des choses. C'est beau cette carte-là aussi. Hein. Quoi ça? Je te dis, c'est beau cette carte-là aussi. Ouais, la curiosité. En tout cas, c'est un truc qui me drive, moi. À me lever tous les matins. Je crois que c'est ça. Est-ce que tu as une pub à faire? Comme ça. Une pub? Ouais. Je dis ça toujours au début, comme ça, les gens se cassent pas la tête à la fin ou pendant. Oh, ça va. Moi non plus, en fait. Ah si, j'ai un truc. Le 30, j'ai un concert avec Laurent Blondiot et le projet Bacchanaille. Ah, Metix. Venez, c'est trop cool, je joue de la flûte. Voilà. Yeah, chouette. Ouais. En plus, franchement, Blondiot. Chapeau. Vraiment. Ouais, il a une bonne énergie. Hein. L'homme en feu qui n'arrête pas et qui joue vraiment. C'est magique, tout simplement. Ouais. Les gens qui ne savent pas aller voir. C'est ça, il a une bonne énergie. Bon, je vais raconter une petite fable de Koutk parce qu'on a quand même soi-disant demandé de lancer un sujet. Du coup. Voilà. Et donc, Koutk partageait un joint avec un hippie. Il prit la parole en premier. « Dis Jésus, tu voulais dire quoi par les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ?»« Ah, Koutk, laisse-moi te faire une analogie. Il y avait dans le passé un fermier qui avait beaucoup de travailleurs pour lui. Il venait tous les jours à la même heure pour travailler la journée et il les payait un bon salaire. Ils avaient plein de vaches et plein de... Ok, un fermier hyper riche avec plein de trucs, j'ai le contexte. C'est quoi l'appel à l'aventure? J'ai pas le temps et nos auditeurs non plus. Koutk, calme-toi, c'est une histoire qui se révèle mot par mot, comme un musicien qui révèle son œuvre note par note, comme un... Ils se disputaient un moment avant de tirer une grosse taffe du joint quand Jésus reprit. Bon, je la fais courte. Il y eut une inondation et les travailleurs d'un village sont tous arrivés en retard. Certains des travailleurs sont arrivés à temps et d'autres sont arrivés à midi. Le fermier, à la fin de la journée, décida de payer tous les travailleurs le même salaire. Il paya les retardataires en premier. Les travailleurs du matin se sont plaints. Pourquoi vous leur donnez le même salaire? Ils n'ont travaillé qu'une demi-journée. Sur quoi le fermier disa : Ils sont venus travailler et ont fait l'effort.
Leur motivation et leur volonté méritent d'être récompensés, même si Dieu ne leur a pas permis d'être là à temps. Et donc, Kutk, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. La morale, tu vois, c'est... T'inquiète, j'ai compris. Le fermier, il voulait créer des travailleurs loyaux. Non, Kutk, regarde. Mais si, c'est la différence entre les motivateurs intrinsèques et extrinsèques. De quoi tu parles, Kutk? C'est Hadès et Lucie qui m'ont expliqué l'autre jour. En gros, les extrinsèques, c'est les gens, c'est des motiveurs genre l'argent, les prix, les salaires, la voiture, l'expérience, le CV, des motivations externes, quoi. Et l'autre, c'est quoi alors? Pas intrinsèque, les motivations de l'intérieur, le plaisir, le sentiment de communauté, le sens du travail qu'on donne, la sécurité, la curiosité. En gros, le fermier, il veut s'assurer que tout le monde continue de venir. Du coup, il travaille sur la motivation intrinsèque de la sécurité. C'est bien clair. Mais non, Kutk, la morale est... Mais Jésus, c'est ça, le fermier doit bien faire tourner son business, non? C'est pas comme si... Kutk, je t'interdis de traîner avec Hadès et Lucifer à partir de maintenant. La morale de l'histoire n'est pas ça du tout. C'est... Quoi, tu vas vraiment me dire avec qui je peux passer du temps et avec qui pas? Putain, mais ces deux-là sont vraiment déprimants. Oui, mais ils sont réalistes. Kutk et Jésus se prirent la tête encore un moment avant de se rouler un deuxième joint. Voilà. Et donc pourquoi j'ai écrit ce truc? C'était parce que à la base la personne qui voulait venir, elle voulait parler du travail et de pourquoi on travaille. Tu vois. Ouais, je me permets d'écrire. On travaille pour fumer des joints. Je crois. C'est ça que j'ai compris. Je crois. Et si c'était vraiment juste. Bon bah on peut conclure l'émission. Bon bah merci de nous avoir écoutés. En tout cas, merci monsieur docteur maître Yvan Diatibage de m'avoir fait rire si sincèrement. Je n'avais même pas compris la propre morale de mon histoire. Yeah, you got the... Bordel quoi. Je suis content de te voir en vrai. Eh, hey, de même, hein, c'est un petit temps. Hein. C'est cool. C'est marrant de se retrouver là comme ça. Eh hey, ouais. Mm. Dans le même building que Radio Crystal. Eh hey, oui. Avec une vue sur l'univers. Enfin, en tout cas, l'univers bruxellois. Ouais. Et ses quelques buildings. Et tous ces. Putain, et tous ces échafaudages là. Ouais. Il rénove tout ce quartier en fait. Ouais, déconstruction, construction, reconstruction, déconstruction, construction, reconstruction. Ah là là. C'est sympa, qu'est-ce qui nous passe dans les oreilles là? Ça, c'est moi. Nice. Mais donc, comme je t'ai expliqué, tu vois, YouTube, ils m'ont fait un peu. Ils m'ont dit, ah, oh, tu passes des musiques qui ne sont pas à toi et tout, on te fait un strike et on va virer ton compte. Ouais. Du coup, je me suis dit, ah, tiens, je vais composer mes propres trucs. Mmh. Et voilà, donc ceci. Et donc, j'ai plein de morceaux. Donc, ça, c'est le morceau Bossa. Il s'écoute très bien, t'entends? Il y a une petite voix. Inutile. Donc, je chante des morceaux inutiles. Voilà. Mais ouais, il y a d'autres trucs. J'ai une musique western, j'ai fait du métal, il y a de l'orgue. Voilà, des petits sons comme ça à la con. Voilà quoi, j'utilise mon talent musical maintenant, c'est pour faire des musiques inutiles. Pour un podcast. De quoi tu veux parler? De quoi tu veux parler? Je sais pas. Moi à la base, je croyais que les deux là, ils allaient venir et qu'ils avaient plein de trucs qu'ils allaient raconter sur le pourquoi de la question de pourquoi le travail. Et je me rends compte que maintenant. Je me retrouve avec Monsieur Maboule. C'est ça, moi je t'ai dit à la base, je croyais que je venais à une émission où on allait faire de la musique. On peut faire de la musique. Et on en fera d'office. Hein. On en fera d'office. Ouais. Le travail. Tu sais quelle est l'origine du mot travail? Moi je ne sais pas. Tu sais? Je sais pas du tout. Travailler, ça doit être un truc comme ça là. Je sais pas. Déjà, ça, moi en général j'aime bien. Savoir les. Croiser des gens qui savent ça. Parce que il t'éduque, tu vois. C'est pas moi qui irais, je pense, le chercher profondément. Mais disons que chercher, ça implique faire. Ah ben, tiens, j'ai quelque chose à dire, tiens. En fait, il y a, je crois, quelques épisodes, il y a un gars qui est venu,
qui du coup parlait de la différence entre l'Orient-Occident par rapport aux Africains. Enfin, lui, il a surtout été au Bénin, quoi. Et il disait comme ça, ouais, en fait, les Occidentaux-Orientaux, ils sont forts dans la recherche, tu vois. Il y a un truc absolu qu'on doit rechercher, vers lequel qu'on doit tendre, tu vois. Et que cette conception du... Et donc, par exemple, rechercher le bonheur, rechercher l'absolu, rechercher le paradis, etc. Et qu'il faut travailler pour ça. On ne peut pas l'avoir tout de suite, c'est il faut travailler et le mériter. Et il disait, ouais, cette conception-là, chez les gens du Bénin, ça marche pas. Ils sont toujours dans les blancs, là, toujours à rechercher quelque chose, plutôt que juste être là, quoi. Voilà, donc arrêtez de travailler. Ouais, c'est clair. Enfin, moi, bon, c'est, pour moi, le mot travail, c'est un mot dur. Ouais. Je pense que c'est comment je le traduis et comment il me résonne dans mon parcours, tout simplement. Moi, je travaille pas, je vis. Et je tends à remplacer le mot travail par je pratique. Mais c'est du détail. Bah, oui et non, mais ça change beaucoup de choses. Parce que je vais pas aller critiquer les gens qui me font bon, là, je travaille mon machin. Et si travailler, ça veut pas dire. Je pense pas que ça veut dire un âne qui porte 300 kilos sur son dos et qui veut pas les porter. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent et qui font ce qu'ils aiment. Donc pratique. Nouveau, ouais, c'est intéressant. Moi je préfère dire je pratique en effet. Et je vis. Parce que les modes de vie que j'ai, c'est la musique, je la vis, la danse, je la vis, les choses que je partage, je les vis. Et c'est pas je les travaille, puis après je rentre chez moi. Et là j'ai mon autre vie qui commence. Et puis après je suis en vacances. Et puis après je travaille et je... Ça fait des années que non, en fait. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que je suis toujours en vacances. Les voisins de mes parents m'appellent le pensionné. Par exemple. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment je suis là, parfois deux jours ou pas en semaine, etc. Quoi. Donc, à tout un chacun de comment vivre et travailler, comment mettre l'énergie sur ce mot travail ou pas. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet il y a ce truc de le travail, c'est le machin sérieux qu'on fait et tout, en mode et une fois que ça c'est fait, bah c'est à partir de ce moment là qu'on peut vivre, profiter des choses. Mais le travail, ça doit être sérieux, tu vois. Enfin, tu disais le mot pratiquer plutôt que vivre, et quelque part, pour moi, il y a quand même une importance dans le choix des mots, tu vois. C'est comme la différence entre... Pratiquer plutôt que travailler. Ouais. C'est pas plutôt que vivre. Ouais, clairement. Mais le choix des mots est important, parce que je me dis, l'exemple cliché, c'est « je dois faire une chronique inutile » ou « je choisis de faire une chronique inutile ». Les « il faut » et les « je dois ». C'est la question, pour moi en tout cas, de t'entendre, c'est la question des « il faut » et des « je dois ». Quand les « il faut » deviennent des « j'ai envie », quand les... Ouais. Quand les « je dois » deviennent des « je choisis », Pour moi c'est plus sympa. Ouais. « Je choisis de vivre » ou « je choisis de raconter » ou « de faire la danse », « je choisis de... » d'écrire un texte de coude. Vraiment. L'envie aussi. En français, ça marche bien. L'envie me tient en vie, c'est très simple. J'avoue. En français, c'est fantastique. Après, dès qu'on quitte en français, ça marche moins dans d'autres langues. Mais... C'est vrai, comment tu traduis en anglais Will, hein, en flamand, c'est Will aussi d'ailleurs. Du coup, William est content. Je crois que William vient de ça. Will I am. Putain, t'es en train de me faire penser étymologiquement. Mais c'est ça, donc c'est William, et il en a fait Will I am, je suis volonté. Je suppose que c'est ça qu'il a fait. Elle est beau, celle-là. C'est vrai, déconstruire. Mais il y a un truc comme ça, c'est. J'avais vu une vidéo YouTube, c'était. J'ai oublié le nom du gars, mais c'était le langage des oiseaux, tu vois. Et le dire. Et donc, en fait, le délire de ce concept, c'est que tu pars en fait du langage comme manière auditive de construire les mots. Tu vois, donc par exemple, la couleur orange, c'est or-ange.
Donc c'est l'or que t'as en toi, tu vois, pour référer à la couleur orange, ça veut dire la gentillesse ou je sais pas quoi. Et donc se baser vraiment sur l'aspect auditif du langage et voir de comment ainsi sa signification comme ça et pas forcément selon ce qui est écrit dans le dictionnaire. Je trouve que c'est une belle poésie en tout cas, oui. Ouais. Qui je pense qu'il faut y faire un peu attention, mais c'est une belle poésie. Le genou, si on parle de ce genre de genou, bien vu, bien. Parce qu'après, bon, il y en a qui vont dire, ah, c'était un truc au genou, c'est ton rapport, hein, mais est-ce essentiellement ça, de nouveau, si t'es francophone. Ouais. Mais c'est sûr que... Mais c'est ça, et alors si t'es anglophone, apparemment, là, c'est ni. Là, je sais pas ce que ça veut dire. Ni. Bah, oui, en plus, ça s'écrit K-N-E-E. Tu vois, je sais pas, ni. Du coup, c'est plus trop le rapport à je et à nous. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est toujours ce genou. Ouais, clairement. J'avoue. À ce niveau-là, du coup, donc c'est selon chaque langage, tu as complètement d'autres connexions inconscientes qui se fait au niveau du sens de chaque parole ou je sais pas. Dans quoi. Ce genre de système, en tout cas, de nouveau, c'est une question, en tout cas, c'est une question de se dire, ben ouais, non, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, mais absolu ou pas, ben, sauf c'est très vite. Déconstructible par le fait de ben, si c'est une autre langue. Ouais, c'est ça, ça marche pas. C'est la même chose. Alors, peut-être c'est limité par les frontières, peut-être que c'est. C'est un problème de genou au Congo avant la colonisation. Peut-être que c'est différent qu'après, parce que là, du c'est coup, ça, le français est arrivé. et là, du coup, le problème de genou n'est plus une relation des mois aux autres. Enfin, où n'était plus ça, maintenant c'est devenu ça. Ah oh, non, mon genou, je ne sais plus comment vous parler. Oh. Alors qu'avant, quand ils avaient problème au genou, c'était juste parce qu'il n'a pas bien mangé des légumes, tu vois. Et donc maintenant, tu vois, il doit mieux se comporter avec les autres, tu vois. Alors qu'avant, c'était juste manger des légumes, tu vois. Putain de français, non. Ah, c'est pas la plus. C'est pas la plus joyeuse des langues pour ça. Hein. Le français est une langue de jeu quand même. Hein. Une langue de jeu un peu indirecte. J'aurais presque à employer presque le mot vicieuse, elle est délicate là en français. Ouais. Comment est-ce que j'explique ça? J'avais un cours de sociologie là quand j'étais au conservatoire et le gars il nous expliquait comment en fait l'Académie française. Le délire de ce truc-là, c'était d'uniformiser la langue française de manière que, genre, les gens de Paris disent « voilà le français correct » et c'est tout, et qu'ils imposent ça à toute la France, en fait. Et du coup, si tu le parles bien, correctement, avec toutes les règles compliquées, parce que français est une des langues les plus compliquées, avec toutes ces règles compliquées, alors là, tu es quelqu'un de distingué, quelqu'un de bien, quelqu'un d'éduqué, quelqu'un de voilà. Educare. Voilà, c'est ça, tu vois. Là où la personne qui n'est pas éduquée, qui utilise un français, qui n'est pas celle de l'Académie française, avec un grand A et un grand F. Ça fait toujours rire cette petite mention qu'on voit sur les affiches de films de l'Académie française, machin. C'est qui doit être bien. Ça me fait toujours un peu. C'est un stamp of approval, c'est comme bio, tu vois. Ah oui, c'est bio, c'est bon. Là, il a passé les examens. C'est ça. Il est passé devant un juge, il est pas un juge, ils étaient tous d'accord. Là, c'est bon. Beautiful Boys. Ah, là, beautiful. Je me demande si le film, là, à scandale. Enfin, je sais pas si t'es dans le monde et que tu suis les actualités. Ça peut m'arriver, mais ça peut t'arriver. Très rarement. Quand même. Ah. Disons qu'on m'informe des actualités. Je ne vais pas aller les chercher, à les suivre, ou je peux les entendre en me retrouvant à côté d'un poste ou l'autre, mais sinon, en effet, effectivement, je cherche pas trop. Mais on m'informe beaucoup. Même de toute façon, avec toutes nos machines, là aussi, même si on ne veut pas savoir, voilà, j'ouvre mon smartphone, boum, je sais. Parce que j'ai été chercher une traduction sur Google, tout d'un coup j'ai les 40 t'as des nouvelles pubs. Du monde, etc. C'est ça. Donc oui. C'est de ça. Quoi tu pensais parler justement? Je sais pas, mais le délire de l'information, ça m'intéresse parce que je n'essaie pas de m'informer, mais en effet moi aussi on me. Ah, mais je vais parler de l'autre truc comme d'or. Il y a ce film là, J'accuse de Polanski. Je me demande si lui il a réussi l'examen de l'Académie française ou pas. Et donc t'avais toutes des histoires comme quoi il y a des féministes qui se sont plaints et tout parce que ce gars-là il violait des femmes apparemment. Et donc moi j'étais là. Et donc tu vois, et c'est marrant parce que je connais tout le détail alors que j'ai pas cherché à le connaître. Voilà, tu vois. Voilà, genre, et donc c'est marrant ce truc de l'information, c'est même si tu veux pas, que tu te dis moi je vais vivre en autarcie, je vais juste
inviter les gens que j'aime bien et discuter. Et puis j'en ai une marrante qui se réfère à ça. Quand j'aurai 60 ans, je ferai un procès à la Cour internationale pour toute la musique des années 80 que j'ai dans la tête. Et pas voulu entendre. Quand j'étais enfant. Vous m'avez mis... Ça touche un peu à ce genre de truc, tu vois. Mais c'est un peu toutes les périodes, non? Parce que moi, je suis né dans les années 90. Enfin, moi, j'ai les Spice Girls, j'ai les 2B3 en tête. Attends, j'ai quoi encore? Il y a toujours moyen de trouver un revers à la médaille. Hein. C'est ça. Ou même d'autres facettes encore. D'autres parce facettes que la médaille n'a que deux faces. Bah, elle a un rond, non? Voilà, déjà, elle a le bord, là. C'est ça. Donc, si elle n'est pas trop fine, il y a moyen de voir le rond et de dire « Ah, oh, purée !» Dingue, la médaille. Les médailles, quoi. Recevoir une médaille. C'est marrant parce que c'est le concept de toi, hein, t'as fait un truc que j'aime bien, du coup, moi, autorité ou académie française ou université, je te donne un papier ou une médaille qui dit toi, hein, toi, t'es un bon, tu vois. Ah, c'est clair. Tu mérites ceci. Après, le juste prix, c'est la vie du prix. Wow, attends, mon cerveau n'a pas suivi. Le juste prix et la vie du prix. Ah ouais, comme ça. Du coup, s'ils reçoivent un bout de papier, maintenant ils ont une vie de papier. Non, attends. S'ils reçoivent une médaille en bronze, ils ont une vie de bronze. Bronze, non. Baron, ze, non. Okay, on disait pas tout à l'heure justement ce truc de la vie et envie, que de nouveau en ouais, français ça marche bien. Avoir envie, ça tient envie. Ouais. Putain, j'avoue. Entre ça et l'envie du prix, donc voilà, on y revient devant. ou qu'est-ce que ton envie a comme prix pour l'avoir? Ou quel genre de prix est-ce que tu es prêt à payer pour rester en vie? Ou est-ce que le bah prix... Parce qu'après tout, bon, ouais. Il faut gagner sa vie. Ouais. Celle-là, elle est très belle aussi. Ouais, il faut alors quand je réponds, bah, tu sais, moi je l'ai ma vie. Je comprends pas pourquoi je dois encore la gagner. Il y en a qui comprennent, d'autres moins. Ouais, c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Ouais. Comprendre ou pas, je sais pas si c'est vraiment. Mais ce qui est comique, c'est que le contraire de gagner sa vie, c'est perdre sa vie. Ah bah oui. Et donc, du coup, oui. Si je ne gagne pas ma vie, bah, je perds ma vie. Ah bah oui. C'est, oui, c'est intéressant. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Est-ce qu'il y a moyen de faire ex aequo avec la vie? Donc tu vois que d'avoir match nu. C'est ça, j'étais en train de calculer le nombre de fois que j'avais déjà perdu ma vie et combien de fois je devrais encore la gagner pour... C'est ça, pour être en ex-aequo. Pour être en vie, quoi, en fait. C'est ça. Pour être bien bon, la vie, on est bien, là, c'est bon, on est ex-aequo, là. J'ai pas perdu ou gagné quelque chose. Bon de Dieu. Eh ben tiens, ça c'est une question que je me pose. Si on devait avoir la vie là devant nous, ou bien ici à notre gauche ou droite, seul pour toi, quel genre de personnage est-ce que ce serait, tu vois? Genre, est-ce que ce serait le gars, non, moi je veux gagner ou perdre tout le temps, ou plus en mode, ah, je sais pas, c'est trop abstrait ce que je fais là, je sais pas. La vie à côté. La vie à côté. Ouf. Déjà la vie à côté. La vie à côté. À côté de qui, de quoi? À côté de qui ou quoi? La vie à gauche ou la vie à droite? Le chemin droit. Ouf. Ah oui, bah oui, ça. Le droit chemin. Tu ah, vois. Mais voilà, c'est autre chose, ça encore. Le chemin de droite. Quelle histoire. La priorité de l'histoire droite. L'histoire de l'homme. Voilà. Priorité. Ah, arrête, François. En anglais, il y en a un beau comme ça. Merci Steven, c'est un ami MC de gang qui m'a sorti celle-là. Entertainment. Entrer, la tâche dans l'esprit. Entertainment comme mind. Ouais. Bien celle-là. Ouais. Putain, quoi. En français, très légèrement. C'est divertissement, quoi. Donc, oui. Divertir. Ah oui, ah, ouh là là là. Donc voilà, les auditeurs de Chronique Inutile, vous savez ce que vous faites, on vous divertit. Bienvenue à jeu de mots inutile. Bienvenue à jeu de mots inutile. Le jeu,
C'est beau le jeu. Le jeu, jamais. Nous, musiciens, nous jouons. Nous jouons, ouais. Nous jouons de la musique. Ça rend jaloux plus d'un, apparemment. Pardon ? Ça en rend jaloux plus d'un. Parce qu'ils se disent, ouais, mais eux, ils jouent. C'est pas mal. Tu crois que ça rend jaloux ? Mais il y a des gens qui, y a des gens qui font de la musique, qui ne jouent pas de la musique. Ah oui, il y en a qui la font. Qui la font, qui la maîtrisent d'en haut, tu vois. Tu vois, c'est... Ouf. C'est bien ces formulations là aussi, il y a des gens. Comme ça ? C'est quelque chose. Le il y a des gens. Il y a des gens. C'est ce rapport d'être toujours à parler des autres alors qu'on parle que de soi en fait. Ah ouais. Ce ok, alors je corrige ma phrase, j'observe. Du on aussi. J'aime bien le on. J'aime bien le questionnement en tout cas sur comment on emploie souvent ce on. Mm. Parce qu'apparemment il est dur de dire je. Mmh. Ou mal vu selon les éducations différentes ou autres. Bah, c'est que le je, en fait, ça te permet de... Quand tu dis... En fait, le on, j'ai l'impression, il permet de se distancier de sa propre opinion. Et du coup, quand on attaque l'opinion, on n'attaque pas la personne, mais on attaque l'opinion. Tu vois, si je dis... Je trouve que Jésus est trop sérieux. Où je dis, certaines personnes trouvent que Jésus est trop sérieux, tu vois, il y a une différence au niveau de comment la phrase est vécue, tu vois, dans l'oreille de la personne. Oui, c'est bien de mettre un bouclier. Où on trouve... on envoie en première ligne, comme ça. C'est ça. Je l'ai dit, on envoie en première ligne. Bien vu. C'est ça. Et donc, pour le visuel, il tend ses bras, tu vois, pour montrer le fait de... On pousse des gens. C'est un peu dans le dos, comme ça. Tu vois, c'est ça. Allez, vas-y, avance. Mais c'est eux, c'est pas moi. Moi, je suis innocent, je suis pur. Je suis en vie et je gagne la vie. Putain, gagner la vie, quoi. Hey, tu m'as explosé l'esprit sur celle-là, en fait. Hein. Elle est belle, hein. Ouais. Putain, mm-hmm. Pousser pour se protéger et faire des boucliers partout. Mm-hmm. Plutôt qu'être soi. Ou non, assumer les mots. Assumer. Mm-hmm. Assume ma... Ouais, je sais pas. Pas non plus. Ouais. Les mots, M-E-A-U-X. Pardon. Oh, il est bien. Les mots, L-E-S-A-M-U-X. L-E-S-M-A-U-X. L-E-S. Et puis M-A-U-X. M-A-U-X. Ah ouais, putain, moi j'ai mis un E là, pardon. Ah, mais il y a l'apostrophe, comme il y a les mots et les mots. Les mots. Mots. Nom de jeu, les mots. Bon, non. Après, il y a le O et le O. Et le O et le O. Le son. Le son, ouais. Oh, oh, oh. Bien, une leçon. Bien fait. Les leçons qui viennent de le son ou de ce son. Ouais, je partagerais bien un peu de son, tiens, justement. Bah, vas-y. On va me dire ça, là. Putain. Qu'est-ce que... Est-ce que moi je fais quelque chose? Ouais, je vais chanter. Alors. Ah, vas-y, venu, hein. Berce-nous. Mm-hmm.
Hop, hop, hop. Docteur Maboul, merci beaucoup. Voilà. Des sons. Des vibrations, des émotions. Ouais, ouais. Un autre... Je parle plus lentement. Voilà. Exploration. Explorer. Ex. Plo. C'est bien ce qui suit là-dedans. J'aime bien tes petites compos de... tes petites compos de fond de chronique. Ouais, à fond. Inutile, c'est avec un Z au début, c'est bien ça. Exactement. Ça s'entend, hein. Ben oui. Les chroniques inutiles. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a un S à la fin de chronique. Ouais. Inutile. Ouais, c'est le truc des inoqueurs. Exactement. C'est la même reine. Ça, c'est la même, c'est la même boîte. Ben oui. C'est le même concept. comment se lier à Bruxelles? Zinok, Zinema, Zinobir. Ouais, c'est Zinutile. C'est... Ça, c'est cette guitare. La guitare à écrit. Je savais pas qu'elle sonnait si bien. J'ai payé 100 euros, je crois. Elle sonne bien, en fait. Non, c'est clair. Un office. C'est bien, ça détox. Tu veux un autre thé? Oui, je veux bien, ouais. Allez, vas-y. Parce que moi, le mien est vide aussi. Un peu bizarre, c'est que bon, j'ai un peu un autre pote qui deal de temps en temps aussi, quoi. Mm-hmm. Et de ce que lui m'expliquait, c'est justement parce qu'il n'y a pas de cadre légal, ben, du coup, tout est possible. Et qu'une fois, quelqu'un voulait lui acheter, genre, l'équivalent de 1000 ou de 2000. Enfin, là, je parle en euros. Oh, ouais. Et que, en gros, il va là où il y a le rendez-vous, mais il n'avait rien pris avec. Parce qu'il savait, bon, c'est des gens que je connais pas, regarde. Ils viennent de temps en temps dire bonjour, les pigeons. Nice. Tranquille, tu peux passer. Ouais, il voit comme on voit. Bon, ouais, il fait mal. Et ouais, et qu'en gros. Bah c'est en mode, il arrive là, t'avais un groupe de gars, enfin de gangsters quoi, ou un gang avec des guns et tout, et qu'heureusement il avait rien quoi, en fait, tu vois. Et tu te dis, bah oui, il peut pas aller se plaindre parce que, tu vois, c'est genre... C'est clair, bon, c'est clair, tu te fais braquer ton stock de weed. Ouais, c'est ça. Et du coup, maintenant, il s'est retrouvé à lui-même acheter illégalement un flingue, quoi, tu vois. Parce qu'il sait pas quoi. Ah, ok, ils ont mon numéro, ça veut dire que quelque part, ils savent peut-être où j'habite, peut-être, enfin, tu vois. Et fou, on rentre dans des logiques hyper bizarres, en fait. Les peurs et les machins. Bah, ouais. La peur d'eux et la construction par le « et si ». Ça aussi, c'est, pour moi, c'est un fléau du monde. « Et si ». Tout ce que le « et si » implique, quand t'arrives à te... être plus tranquille avec ça, mais ça change tellement de choses. C'est tout, que ce soit dans le relationnel, dans le machin, dans le business, dans le truc, dans le... ces rapports du ici, là. De nouveau, quoi, projection du futur d'un truc, d'un malheur qui pourrait arriver. Ouais, c'est ça. Ah, mais oui, parce que ça touche à ça. Mais oui, c'est ça aussi, tu vois. Attends, si on ne va pas faire la guerre en Syrie, peut-être que ces terroristes pourraient venir te tuer dans ta baignoire. C'est fou, hein, le... tout ce que ouais, le dit, ici, c'est ouais. Ici, quoi, cette expression de oui, mais si. Et moi, je dis souvent, ouais, ici, le gars, il appuie sur le bouton rouge maintenant. Quoi. On est partis tous en 3 secondes, et voilà, donc, moi, les ici, c'est bon, j'oublie. Hein. Pour tellement de trucs quoi. Moi bah, je lis ça même à, du coup quand c'est lié, comme je dis, voilà, je vois les gens, les histoires de pognon, de machin. Là je parle des assurances. L'assurance ce n'est que ça. Ah mais si ça brûle. Et si machin. Et si truc. Et là tu commences à mettre des trucs que t'oses même pas enlever la pile de cette machine que t'as au-dessus de la tête qui t'emmerde. Parce que et en fait, c'est même pas que tu te dis que tu vas cramer ta maison. C'est que tu te dis que si elle crame, tu vas devoir payer.
Et d'où l'important, c'est pas que la même que la maison crame ou pas, c'est que c'est tu les vas voisins devoir payer et tout ça, parce que tu sais que tu vas déranger les voisins qui vont t'attaquer, qui ont une meilleure assurance que toi, ouais, et puis t'es pas en règle c'est, parce que toi t'as pas eu d'assurance. Enfin, et c'est les sous, c'est souvent. Et c'est quoi? Ben je devrais payer. Mm. C'est comme ça qu'on règle. C'est ça le principe de l'amendement. C'est comme ça qu'on règle la société. Mm. On n'éduque pas les gens à se dire ben penser autrement. Non. On dit ah ils vont jamais pouvoir penser comme ça, donc on les amende. Mm. Et entre ça et leur aberration, c'est ce genre de truc avec le GPS dans la bagnole qui te dit où sont tous les radars. Enfin, c'est d'un débile, l'autre monde, comment il fonctionne, je t'ai acheté. Tu vois, voilà ce genre de truc, là, net. Ouais. Waouh. Les pauvres, là, toutes, leurs, bah, toutes les voitures, là, tous les pauvres, là, qui ont pas la bagnole, qui font de la bonne année, là. Oh, quelle histoire, quoi. Ouais, tu peux plus rouler à Bruxelles, quoi. C'est un truc, bah, c'est à Bruxelles, c'est à Paris, c'est à machin, c'est un truc, ouais, c'est en perte de telle heure à telle heure, plus les camions, enfin, c'est plein de trucs, quoi. Au nom de quoi, encore? Au nom de, bah, de... Du climat, de l'environnement. Parce que ici, dans 100 ans, on ça, ne règle c'est, pas ça, les ça, choses c'est, maintenant. Ça, c'est l'illusion, parce que c'est au nom du pognon, c'est de nouveau, c'est au nom de ce que ça rentre dans le... Dans la bourse, quoi. Bah, c'est marrant, j'ai eu la discussion, je crois, hier. Ça n'a rien et à voir disais... avec le climat, quoi. La nature n'a pas poussé. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais j'avais la discussion hier, c'est ça, c'est que je disais, mais au fond, fondamentalement, le résultat, c'est que la personne qui peut se payer une voiture dans les normes, elle va le faire. La personne qui ne sait pas, elle est baisée. Non, mais c'est clair. Voilà. Et on la vire de Bruxelles, en et fait. Si c'est pas la personne, bah, c'est les voitures de société. Voilà, la Belgique, c'est la championne pour ça, par exemple. Ouais, ouais. Tu vois. Et c'est un débile. Entre ça, en jumpant, là, sur l'écologie, là, le truc de. Tous les gens qui font ah, la voiture électrique, ah, vers l'électrique. Mais les gars, c'est le nucléaire. Ouais, qui est. Oh, oh. Ouais, c'est le pire des trucs. Parce que l'air, tout se coupe, l'air, l'air il se nettoie. Si vraiment on arrête de rouler assez rapidement, mais ça repousse et ça devient vert. Enfin, il y a un truc où. Regarde, même Tchernobyl, ben voilà, tu vois. Bon, c'est plus. Ça a pris du temps. Voilà, ouais. Avec le, comme je dis, avec le nucléaire, ça prend beaucoup plus de temps, mais la nature, elle a aucun problème en fait. Tous ces gens qui font ah, mais la pauvre nature, t'inquiète. Moi, je m'inquiète pas du tout pour la nature. Mais je crois qu'il y a, autre chose. C'est-à-dire que les gens qui disent la nature, ils se rendent bien compte que c'est nous les humains, peut-être, qui vont pas survivre, soyons clairs. Mais on préfère dire la nature parce que ça fait plus peur de dire non mais on va mourir. Mais voilà, de nouveau, tu vois. On allez. Change le langage. Non, c'est pas nous qui allons mourir, c'est la nature qu'il faut sauver, tu vois. Mais faire face à ma mort. Non. Savoir que je vais mourir, non, on va pas parler de ça, s'il vous plaît. C'est où tes toilettes? Bah, c'est là-bas, à droite. Ah, est-ce que moi j'ai envie de jouer? Mais je sais pas ce que j'aurais envie de jouer. Non, Emma. Welcome. Ah non, ici, juste avant, à droite. Tu m'as dit. Ouais, donc, j'ai dit à droite. En ouvrant, je t'ai jamais fait. T'as une toilette bizarre. Tu pisses sur le mur en fait. Et la lumière, elle est juste là. Voilà. Pouf. Ouais. Putain, il fait beau en fait aujourd'hui. Mon chat. Mon chat. Mais en fait, t'as été... Enfin, si tu veux en parler, bien sûr. Ouais. En fait, t'as été où au Japon? Et... J'ai pas posé la question. Ah, ouais. Beau. T'es pas obligé. Hein. J'étais trop bien, très bien. Non, grand plaisir. Super. Une des plus. Voilà. Une des plus belles périodes encore de ma petite vie. Vraiment sympa. J'ai fait un mois dans les campagnes aux alentours de Tokyo. Ok. J'ai été croiser des gens là-bas pour partager une pratique que Ida, qui est danseur, entre autres. Buto, metteur en scène, il a mis une pratique en place autour de trésors qu'il a hérité de sa grand-mère et de gens qu'il a croisés, on peut dire ça, et de pratiques ancestrales chamaniques japonaises, je pense on peut le présenter comme ça, okay. Qui s'appelle Mikusano Mitakara. Ok. Et donc voilà, je me suis retrouvé au Japon avec quelques amis et autres d'Europe à croiser les gens qui pratiquaient ça.
C'est une pratique que moi j'ai croisée du fait qu'ils m'ont demandé de venir de jouer aux percussions dans leur session. C'est comme ça que j'ai abordé ça. Par Bernd, qui est un Allemand qui vit ici à Bruxelles, qui connaissait Ida et qui partageait cette pratique ici à Bruxelles. Je peux la résumer tranquillement, quoi. Il tourne sa pratique autour de trois trésors. Le premier trésor pour lui, c'est Tanasoe, qu'on peut traduire par la paume, le cœur dans la paume de main. Et donc c'est le rapport aux poses de main sur le corps. Que ce soit pour des points de détox, des points de massage, pour faire circuler ce qu'on peut appeler l'énergie fixe. Donc il y a aussi un gros discours où c'est, si tu es à l'écoute de ton corps, les choses se passent bien. Et il y a quelque chose de universellement humain qui nous rejoint tous, hors culte, hors, hors temps passé, hors dans le sens de ce qu'est l'homme, l'être humain. Moi, je le comprends comme ça. Donc le premier trésor est en rapport à ses poses de main, circulation de l'énergie fixe, histoire que ça circule bien. Son deuxième trésor, c'est ce qu'il appelle les Makoto Noru. Makoto means truth, ça veut dire la vérité. Noru, je ne saurais même pas le traduire, je pense. C'est ça veut peut-être dire phrase, ou en tout cas, c'est ouais, phrase, prière, écriture, je ne saurais pas traduire Noru. Le Makoto, c'est la vérité. Et ça, c'est le principe d'écrire des phrases de gratification de ta propre personne. Aussi, des phrases de remerciement de choses dans ta vie. Merci papa, merci maman, etc. Merci les arbres, merci les oiseaux. À chacun sa vie, à chacun les choses qu'il a envie de remercier. Et le troisième aspect aussi, qui sont un rapport aux souhaits. Donc les choses que tu veux, les choses que tu as envie, que tu voudrais qu'ils se réalisent. Pour moi, c'est de la prière. C'est très simple. Voilà, ça peut se traduire par ici chez nous comme de la prière. C'est très évident. Pour moi, c'est ça la prière. C'est ce truc de dire je suis, de se faire du bien, de dire merci et de demander les choses dont on a envie dans la vie. C'est pas essentiellement la prière, mais je peux la traduire comme une part de prière. Ouais. En tout cas. Et son troisième trésor, alors, qui est la pratique. Non, mais vas-y. C'est Chinomichi. Ça, comme je dis, je compile. Hein, parce que si on peut parler de tout ça bien plus longuement, lui, il a écrit un gros bouquin qui a la taille de la Bible, je pense, j'ai l'impression. Voilà, quoi, bref. Et Chinomichi, ça se traduit par la rivière de Qi, de Chi, donc d'énergie qui circule dans le corps. Et que, basiquement, grimace dans le visage, contraction dans les mains, écouter le corps, aller chercher les petites tensions, profiter de ces sons de nouveau naturellement humains qui peuvent venir du bâillement. Qu'on peut aller chercher plus dans les profondeurs, et voilà, et d'une gestuelle qui démarre de là et qui dépend du moment, de la journée, de tout un chacun. Il y en a en 3 secondes, ils sont au sol et on se dit ah, qu'est-ce qu'il a, contraction, convulsion, non vous inquiétez pas, il se fait du bien, ça va. Il y a toujours ce truc qui est important, de je le répète assez souvent, in a joyful way. C'est-à-dire de comment je pourrais dire ça, de dans la joie, de s'occuper de l'ombre, ouais, mais tout en gardant ce fait que c'est pour aller bien. C'est pas un principe d'aller broyer du noir pour rester pour rester justement dans des choses désagréables, bien bien loin de là. C'est prendre avec légèreté le fait qu'on vit avec plus et moins. Ouais, c'est ça. C'est pas plus ou moins. C'est pas juste soleil ou lune, c'est soleil et lune. C'est une sorte de... Enfin, pardon, là je le traduis en français. Une sorte de pratique de, finalement, être à l'aise. Le mot aise étant légèreté, joie, mets ce que tu veux derrière. Avec aussi bien l'obscurité et la lumière et tout ce qui y a entre, presque, j'ai l'impression. Et de vivre avec son entièreté, quoi. Être... laisser tomber les masques. On rigolait de ça, on disait si les gens se croisaient en faisant des grimaces comme ça, il y a déjà plein de trucs qui seraient réglés dans le relationnel. Très clairement. Et ça fait un bien dingue. Moi, comme je vous dis, principalement, j'ai d'abord joué de la musique pendant un bon moment, puis étant danseur, partageant la danse improvisée avec musiciens, ayant touché le fait que pour moi la danse c'est l'être,
et que je préfère voir quelqu'un, comme je dis, qui se dandine, qui secoue son corps avec plaisir plutôt qu'un grand professionnel qui va te faire les 10 000 incroyables performances, mais où le cœur n'y est pas. Mmh. À force des années de mon parcours de danse, ben, j'en suis arrivé à ça. Et quand je les ai croisés, eux, ben, je trouve que voilà, qu'on disait les mêmes choses de différentes façons, tout simplement. Mmh. C'était un peu dur, le Japon, par rapport au fait que Ida est en mission, évidemment. Mmh. Ida, c'est le créateur. C'est lui qui a réuni ces pratiques-là, tu vois, qui sont, comme je dis, des héritages de grand-mère et de choses ancestrales japonaises, quoi, tu vois, entre autres. Et que tu retrouves dans beaucoup de monde, quoi. Voilà, bailler, tout le monde baille, tout le monde va aller mettre sa main derrière la nuque, et là, ça rejoint ce truc. Tout le monde va mettre ses deux mains sur la poitrine, tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est dans beaucoup d'endroits du monde. Mmh. Il y a des choses qui nous rejoignent, évidemment. Mmh. Bah, le sourire. Ça touche à ça, quoi. Voilà, le sourire, le plaisir, le... Mais du coup, du fait que, comme je dis, ben là, il est là, on a écrit un super gros bouquin, et tu sens qu'il est... Tout simplement, et ça c'est très personnel, quand moi je suis arrivé là-bas, il était dans le processus que les mots, donc les Makoto no Rus, sont super importants. Et moi, quand je suis arrivé là-bas, j'étais dans ce processus où la vibration m'importait plus. Exemple de la musique que je viens de faire avant, tout simplement. C'est ce rapport-là où c'est ça que j'aime à partager et à transmettre pour que les gens commencent à chanter. Ils se disent « Ah, mais tiens, je savais pas que je pouvais chanter, etc. » C'est super beau. Je le dis pas avec prétention. Là, je le dis juste rapidement comme ça. Mais voilà, j'aimerais bien faire une mini-pause là. Oui, hein. Ce qui, moi, m'étonne, c'est justement parfois quand je montre comment, moi, mon processus d'autodidacte de musique s'est passé et que je le montre très simplement à n'importe qui, que parfois, ils sont étonnés de « Ah, mais ouais, en fait, la musique, c'est juste ressentir ce qu'on a et de le faire sortir ou bien par la voix, parfois par le rythme ou parfois par tout ça. » Voilà, je voulais juste dire ça. Vraiment, c'est une des parts, pour moi aussi, qui fait partie de la musique, bien évidemment. Si, voilà. Bon, voilà, simplement. Et donc, je reviens avec cet exemple avec Ida. Où il était vraiment dans ce processus de les mots, c'est important. Et je peux aussi le comprendre parce que dans la gestuelle donc, de Chinomichi, il est évident qu'on touche à des états de transe et autres. Et pour lui, ces mots-là, le fait de se rappeler ces phrases, de les dire, faisait que l'ancrage à la terre restait. Que justement, on n'était pas essentiellement dans les airs et à ne plus revenir. Juste petite parenthèse, voilà, c'est pas le fait non plus de citer ces phrases texto et avec clarté. Elles peuvent se citer de nouveau par ces sons profonds pour dire, pour dire merci, je peux prendre un exemple, merci au soleil, parce que moi j'aime beaucoup le soleil, donc j'aime bien lui dire merci. Je peux le faire aussi, et je sais que j'ai pensé à dire merci au soleil. Donc de nouveau, là on touche le fait que les choses peuvent se déformer, mais que l'intention, c'est ce mot-là. L'intention, pour moi, si l'intention elle est là, combien de langues dans ce monde nous avons qui disent la même chose et la même intention, C'est ça. Et combien de vibrations aussi touchent à ça. Donc ça, c'était le premier mois dans les campagnes autour de Tokyo. Et puis après, on s'est retrouvés à Okinawa, où là, je les ai laissés, parce que comme je disais avec Ida, je trouvais qu'ils devenaient trop durs à mon goût, tout simplement. Dur dans le sens brutal, dans le sens exigeant, oui, okay. C'est comme ça qu'il faut... Je retrouvais plus cette liberté que j'ai connue au début, quelque part. Qui laissait à chacun le temps de faire son chemin. Ça, pour moi, c'est très important. Tu poses un cadeau, tu as confiance en ce que le cadeau y soit posé, et tu continues ta route. Ces derniers temps, on m'attribue la carte de mage, et quand je réfléchis à une petite parenthèse à ces rois mages, les rois mages, ils sont venus, ils ont posé, et on n'en parle plus jamais. C'est ça. Pour eux, c'était très bien, la mission était faite. Par exemple, et c'est clair que je tends à aller de plus en plus par là, évidemment. Et donc, oui, c'était ce truc de commencer à dire, on faisait aussi des danses de transe autour du feu, et pour lui, c'était essentiellement tourné en cercle. Quand moi, je commençais à sortir ma voix, et quand c'était ma voix, du coup, c'était pour lui, c'était trop, prétendre que j'étais pas ensemble avec les autres, que machin. Donc, il y avait quelque chose qui touchait au fait que... Voilà comment il l'a formulé, excusez-moi, mais
pour que ce soit bien simple, pour que ce soit bien simple, voilà. Quand quelqu'un me dit, moi j'ai mis 10 ans pour trouver ça, eh ben moi je lui dis, ben laisse 10 ans, laisse le temps aux autres de trouver aussi ça. Et dis-leur ce que tu as trouvé. Pose-leur, dis-leur ce que tu penses. Mais de là, avoir touché quelque chose dont on est convaincu et que tout d'un coup, c'est là que je dois emmener tout le monde parce que c'est là que c'est super bien. Moi, j'ai besoin de douceur. Ouais, c'est ça. Bah, c'est comme l'idée d'aller jusqu'à Rome. En fait, tu peux aller à Rome en passant par Paris. Je pars de Bruxelles. Tu peux aller à Rome en passant par Paris ou tu peux passer par le Luxembourg et puis par Lyon. J'ai envie de dire, du moment que tu arrives à Rome, quelque part, le chemin est peut-être pas tellement le plus important. Mais ça, c'est un truc avec enfin, pardon, là, je fais une comparaison qui est peut-être complètement fausse, mais entre les arts martiaux japonais et les arts martiaux chinois, moi, j'ai fait du kung-fu. Ouais, moi aussi, Et justement, dans les arts martiaux japonais, il y a vraiment ce truc de un mouvement, c'est un petit truc et il faut absolument pas l'adapter et ça a un nom précis, tu vois. Là où, quand j'ai fait du kung-fu, c'était en mode, regarde, en fait, le principe, c'est tu bloques l'épaule ici, par exemple. Et ensuite, comment tu le fais? Ben, tu trouves le moyen de toi le faire. C'est juste, il te montre, ok, tu prends le bras là, tu prends le bras là. Et ensuite, tu l'adaptes selon toi ou selon la situation, en fait. Et donc, c'est un esprit totalement différent où tu apprends pas tout, chaque petit détail et tu dois le faire parfaitement, Mais c'était plus en mode, voici les principes, apprends-les et adapte-les pour toi. Je pense qu'en tout cas, généralement, que ce soit japonais ou chinois, je dirais un bon maître d'arts martiaux, une bonne essence de l'art martial, justement, va apprendre ce qui se passe à côté, transforme les choses. Pour moi, je ne sais pas si on touche le Japon ou la Chine, on touche le fait d'une tradition ou de se dire d'une forme fixe. Et il y a des formes fixes qui correspondent à des gens, mais qui ne correspondent pas à d'autres. Et de nouveau, c'est comment on se retrouve dans la forme fixe qui nous plaît, comment on se masque de cette forme fixe ou pas. Et voilà, on parlait de ça aussi, que si on parle du yoga, de la symétrie, du fait que oui, ça doit être comme ça, ben Ida était très clair aussi, si t'es dans la position de yoga et que tu sens que ton épaule, t'as envie d'un peu la bouger, d'un peu bouger ta torsion ou de désaxer, ben vas-y. L'essence est là, l'écoute du corps. Et j'ai foi et confiance en ce que notre corps, il nous dit vraiment beaucoup de choses. Et alors là, de nouveau, c'est hors pensée. Quand je dis hors pensée, c'est justement cette gestuelle de grimace dans le visage. On se révulse un peu les yeux aussi, on regarde vers le haut. Ça, c'est quelque chose qui fait que ça met cette connexion chakrale plus en action. Parce qu'elle est de toute façon toujours en action, mais là, il y a une conscience en tout cas de cette colonne chakrale. Et alors aussi que justement, quand on est rentre trop dans le contrôle et les pensées, le fait de se révulser un peu les yeux, du coup, on vire quoi. On touche à l'instinct, on touche à l'intuition. C'est rapport à ces choix-là. C'est ça le but d'Ida, tu crois? Enfin, je sais pas. Je pense que vraiment, la pratique est super. J'ai aucun jugement à faire sur ça. Comme je dis, c'est son chemin. C'est avec aussi cette. C'est son parcours, en fait. C'est un révolutionnaire au Japon. Ouais. Parce que, que ce soit ça ou la danse buto. Il y a un côté super rigide dans les pratiques japonaises, comme tu en parlais justement dans certains arts martiaux et tout. C'est un ovni au Japon, tu vois. Et je comprends que selon son parcours, ben oui, il est un peu dans une démarche de, bon, et de nouveau c'était à discuter, mais de pour tout le monde et nanani. Et ça touche, c'était délicat, quoi. Quelque part, prétendre aussi, je suis pas gourou d'eux, mais te retrouver quand même à être le seul à parler avec tout le monde, avec son dictaphone autour de toi, c'est délicat. C'est délicat, même si les choses que tu dis sont fantastiques, tu vois. Mais voilà. Justement, j'ai fait un épisode de Chronique Inutile sur Kumare, un documentaire où c'est un gars qui fait genre je suis un gourou pendant un an, quoi, tu vois. En fait, ce que il touche vraiment quand même assez bien dans son documentaire, c'est l'aspect. Toi, tu ne peux ne pas être gourou, hein, en tant que personne, mais si les personnes croient que tu es gourou, la relation gourou-disciple s'installe, quoi. Parce qu'ils vont commencer à s'attacher à chaque petit mot que tu dis, à vouloir l'enregistrer pour être sûr de ne pas l'avoir raté et puis pouvoir étudier à la maison à 3000% ce qui a été dit, tu vois. Et donc, lui, malgré lui, il s'est retrouvé à merde, j'ai commencé vraiment à me retrouver dans cette position où je décidais moralement pour la vie d'autres personnes, alors qu'à la base, je fais juste un documentaire, quoi, tu vois. Krishnamurti est très fort pour ça aussi. Krishnamurti, il a l'art dans ses conférences de prendre 20 minutes.
si pas plus, pour dire « Hé, je viens juste causer avec vous. Mmh. » Mmh. Voilà, je vais pas allonger le truc, je pense que c'est compris. Il vient juste dire ça. « Hé, quoi, je viens juste causer avec vous, je viens pas vous apporter un truc. Ouais. » Et oui, on s'inspire. Et oui, ça fait du bien. Mais de nouveau, entre l'inspiration et le fait de copier, entre le... On en, voilà. Guidance, c'est quoi, ouais. C'est quoi le guide, c'est quoi moi je dis tout le monde s'auto-guide de toute façon on va quand même faire nos propres choix, même si c'est de nouveau derrière un culte, une personne, un visage, une représentation, une forme, un rituel. De toute façon, moi je suis persuadé qu'on fait ce qu'on est personnellement, et c'est un rapport d'individu, et c'est cette diversité là que je trouve très belle, quoi. Donc voilà, on a fait Tokyo, on a fait Okinawa. Là, je m'en sépare. Je vais avec ma compagne, qui était encore ma compagne à ce moment-là, qui était une japonaise, que j'ai rencontrée dans ces pratiques-là, avec qui on était ensemble 3 ans. On descend à Yaeyama, qui est un groupe d'îles encore en dessous d'Okinawa. Là, on est très près de Taïwan, en fait. On est vraiment assez loin de la grosse île du Japon. Et là, on se sépare. Les 2 mois que je comptais passer dans sa famille, ben, tout compte fait, je les passe seul dans ces îles. Où j'ai commencé 3 semaines dans la jungle. C'est parmi les, de nouveau, les 3 plus belles semaines de ma vie qui se sont terminées. Enfin, c'était fou, c'était beau. Entre l'océan, les collines de jungle, l'eau claire, des petites chutes d'eau dans lesquelles tu prends ta douche, les super gros cailloux, cette diversité d'animaux, le fait d'être seul aussi, entouré de tout ça, juste avec un autre qui aussi fait du camping sauvage, qui est un peu plus haut dans les jungles, avec qui on se comprend juste de... en se croisant très peu, juste de regard, de machin, de... J'ai partagé de la musique avec lui, enfin je lui ai joué de la musique parce que lui n'en jouait pas, c'était très bien aussi. Et après, ben, je me retrouve sans sous. Parce que bien évidemment, je suis loin d'être riche, j'étais déjà parti là-bas avec un budget assez minime. Et ce qui fait que je vais dans une autre île de ce groupe d'îles. Sur la première où j'étais dans la jungle, c'était Iriomote. Et la deuxième île où je me suis dit, bon... va dans les bars à musique et tout ça et tout, faut que tu te fasses de la monnaie et tout ça, etc. Ça, c'était Ishigaki. Et je pense que ben, de cette liberté que j'ai eue, de cette beauté de contact avec cette nature profonde de la jungle où j'étais les 3 semaines avant, ça m'a amené des rencontres, des souhaits aussi qui étaient sincères et sans trop sans angoisse et gros stress, en tout cas. Ouais, le soir, je me retrouvais dans ma tente à me dire ça va le faire, ça va pas le faire. Tout se faisait au chapeau, j'ai jamais eu un cachet fixe, et ça l'a fait. Après une semaine que j'étais sur cette île à jouer un peu, à chanter dans quelques trucs, quelques personnes venaient me trouver. Ah, c'est toi, Yvan, hein, t'as pas envie de venir là, je tiens un restaurant là. J'ai fait presque tout ce que je savais faire là-bas. J'ai chanté, j'ai donné cours de danse, j'ai fait MC pour un sound system. Bref, j'ai fait pas mal de choses. Ah. Bonjour. Voilà, ça va. On a coupé le téléphone. Ça sonne parfois. Je rappellerai après. C'est pas si grave. Wow. Donc c'était vraiment magique, en fait, tout simplement. Voilà, c'était mon histoire au Japon. Ils m'ont offert le fait aussi que ma compagne décide qu'on se sépare, ce qui était vraiment juste parce que j'étais pas surpris. C'est rien de nouveau. Il y avait toujours un peu des up and down où on accepte ça et puis tout compte fait, ben voilà. L'autre personne se dit qu'elle doit continuer sa route pour sa clarté, et je trouvais ça très beau. Et ça m'a amené, ben, à vous parler de cette jungle, à croiser tous ces gens que j'ai croisés, qui étaient vraiment... Voilà, moi, j'ai pas croisé de Japonais racistes, par exemple. J'ai croisé des Japonais curieux. Des vieilles personnes dans des bars qui venaient chez moi et qui disaient « Viens, je t'invite à boire un truc. » Et qui me disaient après, par l'intermédiaire de mes amis qui traduisaient en anglais, qui me disaient des trucs comme... Ouais, en fait, tu me faisais peur au début, mais je voulais t'inviter pour savoir. C'est ça que j'ai croisé. Et la musique qui s'est déployée dans les bars, dans les jardins, dans les... Même chose, ils m'ont ramené à une carte de mage et à une carte chamanique, quoi. Un parcours que de nouveau, j'ai pas fait de formation, j'ai pas... Je ne l'ai pas plus poussé que ça. Il y a quelque chose où ça s'est mis du parcours naturellement. Et c'était super beau, tout simplement. Voilà un peu le résumé de mon histoire japonaise, quoi. Je sais que là, je peux retourner dans ces îles
Et j'ai aussi bossé dans une ferme aux alentours de Tokyo où la famille là-bas m'accueillera. Je sais que j'ai deux spots où je peux aller, que j'ai des sous ou pas. Si mon billet il est payé et j'ai mes deux instruments, ça m'a donné la confiance en ça. Mm-hmm. En tout cas, aussi. C'était super beau. Vraiment, j'aime les gens des îles. Mm. Les gens des îles, des petites îles, je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de... Voilà, si on aime bien la nature, de leur rapport à la nature, à la terre. Pour ça, le Japon est fort aussi. Il y aura toujours, que ce soit le vieux temple ou le machin, il y aura toujours le... Très souvent, pour pas dire toujours, très généralement, il y aura le vieil arbre qui était là avant le temple. Ouais, c'est beau. Et c'est l'arbre qui a fait que le temple s'est construit. C'est l'arbre et la nature qui a fait que les statues se sont construites. Mmh. Pour magique, représenter hein. ce qui était donné par cette force-là. Et il y a mon rationnel qui a une question pour toi. Ouais, c'est... Parce que tout ce que tu me dis là, ça me fait fort penser à l'animisme qui est presque du chamanisme ou je sais pas. C'est en mode chaque chose a un esprit qui peut ou ne pas être respecté ou un esprit qui peut ou ne pas être bon. Et justement, ouais, le grand arbre, bah, il représente quelque chose qui a duré longtemps. Bah, du coup, il y a quelque chose de puissant ici parce que sinon, il serait pas là, ce grand arbre, tu vois. Et donc, ouais, ils ont ce profond respect-là. Et en fait, la question que je me pose, c'est plus, tiens... À quel point est-ce qu'ils sont animistes ou slash zen bouddhistes, tu vois, genre, est-ce qu'il y a beaucoup, est-ce qu'ils sont vraiment tous comme ça, ou est-ce qu'il y a plus de chrétiens, ou est-ce qu'il y a plus de, tu vois, je sais pas imaginer, parce que j'ai l'impression que c'est presque un des seuls, je pense qu'il y a de tout, ouais. Ah, il y a de tout, ouais. Je pense qu'il y a de tout, ouais. Je dirais beaucoup de bouddhisme, quand même. Ouais. Mais beaucoup, en fait, alors du coup, voilà, sorry, je suis très peu informé. C'est pas grave. Mais je pense qu'il y a aussi le shintoïsme, et qui est animiste, shintoïsme. Ouais. Et que ça était là avant le bouddhisme. Et alors, les gens que j'ai croisés, ben, les temples, c'était des temples shintoïstes. Ouais. Pour la plupart. Ouais. Qui sont aussi. Il y a un peu comme l'histoire des Celtes récupérés par les chrétiens. Ben, il y a aussi un peu le fait que tu retrouves des piliers du shintoïsme dans le bouddhisme, évidemment. Ouais, ouais. Et je reviens avec ce truc-là de. Premièrement, il y avait la nature. Qui a été représentée pour la vénérer, pour la considérer. Et là, c'est cette étape-là qui donne, je pense, le bouddhisme et d'autres choses. Ouais, ouais. Et des chrétiens, je pense qu'il y en a plein aussi. C'est juste mon ancienne compagne me disait que sa mère, en fin de vie, elle était chrétienne, par exemple. Ouais, elle s'était convertie. Ouais. Donc, il y a un truc... J'ai beaucoup vécu avec la communauté des Mitakara le premier mois, et puis après j'étais dans les petites îles, donc j'ai rien vu des grosses villes. Ouais, voilà, ouais. Soyons clairs aussi, moi ouais, le Japon dont je parle, c'est les campagnes de Tokyo, c'est Okinawa, et puis c'est les petites îles de Yayayama. J'ai pas été dans ces grosses activités parce qu'il y a ça, évidemment, j'entends. Disons que oui, ce que moi j'entends plus du Japon, c'est justement ça, c'est les gens qui vont, je sais pas moi, à Tokyo, quoi, et puis ils se disent « Oh, c'est hyper civilisé, c'est des méga grosses villes, il y a des pubs partout et tout ça. » Et en fait, on se rend pas... Et donc c'est intéressant, je trouve, d'entendre ton histoire qui est « Mais bon, il y a autre chose. » Mais oui, il y a autre chose partout. Faut arrêter. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai aucun problème à faire partie des minorités. Ouais. Je cherche pas, je suis pas curieux de. J'aime pas spécialement les villes, tout simplement. J'aime pas l'énergie des villes. Ça m'impressionne pas un bâtiment ou un autre. ce qui m'impressionne, c'est comme je dis, c'est un bon vieil arbre, et ça, c'est un choix, c'est tout. Pour dire simplement. Ouais. Je suis pas curieux d'aller visiter une ville où je suis. Ouais. J'étais à Nancy il y a pas longtemps, il y a un ami qui m'a fait comment c'était. Je dis j'en sais rien. J'étais dans l'appartement des amis, j'étais dans le lieu où je donnais mon stage. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'églises, des grosses églises. Un peu fait penser à pseudo-Bruges comme ça. Il y a beaucoup de grosses églises toutes proches les unes des autres. Mais voilà, pour le reste. Et soyons clairs, ça aussi je pense que c'est super important. Il y a ce truc où ce qui me convient, si ça te convient pas, il n'y a aucun souci en fait. Écoute-toi, si toi t'as envie d'aller visiter les églises, si ça te nourrit, si ça te, si le vieux, si la ville te nourrit, si, vas-y nourris-toi. J'ai une question par rapport à ça. Enfin, c'est une question même à moi-même. C'est ce qui nous nourrit, tu vois. Ça va être une longue question parce qu'il faut toute une intro, parce que même moi je sais pas ce que je suis en train de poser comme question.
Mais y a, en fait, c'est que je me rends compte que, pour moi, tout ce que je vais dire, c'est pour moi, c'est que ce soit, par exemple, des séries ou que ce soit des séries télévisées, tu vois, que ce soit des documentaires, que ce soit des films, des humoristes, des livres, des rencontres, des gens, des activités que je fais. Et je vais prendre un exemple concret. En fait, ça fait... avant, j'ai commencé la boxe récemment, tu vois. Et avant de commencer la boxe, ça faisait 6 mois que je regardais des vidéos de boxe, quoi, tu vois, des fights classiques et tout ce que tu veux, tu vois. Et il y avait vraiment ce truc de ça me donnait de l'énergie, ça me passionnait, il y a vraiment un truc comme ça. Et maintenant, j'en fais et c'est tout aussi passionnant, même plus profond. Et mais par contre, d'autres trucs qui m'intéressaient ou qui me nourrissaient, hein, parce que je t'ai dit, curiosité, un driver très important, ne me parlaient plus de la même manière, genre les nouvelles, les jeux vidéo, même la musique en fait, tu vois. La musique en fait, ça me parle plus tellement, c'est juste j'en fais parce que il y a tel projet qui m'intéresse pour son concept. Et je me dis, tiens, qu'est-ce qui fait que comme ça quelque chose peut changer parfois de manière si subite, tu vois, et que ces différentes choses te nourrissent à différents moments. Et que, en fait, je sais pas c'est quoi ma question, mais voilà en tout cas mon témoignage. J'entends, ben c'est un rapport de choix, c'est un rapport d'envie. Par exemple, pour la musique, il n'y a pas de choix, tu vois. C'est à un moment, c'est juste parti et je suis commencé beaucoup plus à écrire, tu vois. Et puis à un moment, non, l'écriture c'est toujours là. Et puis à un moment, je sais pas, théâtre, théâtre, j'ai commencé à en faire, je fais de l'impro, j'adore ça, tu vois. Puis à un moment, tu vois, il y a eu un download, et ouais, je vais faire une émission radio. Et bon, voilà, maintenant on se trouve à parler, tu vois. Je dis pas que c'est qualitatif ou quoi, c'est juste à un moment, c'est dans l'autre, ça s'est fait et je l'ai fait, quoi. Bah, tu t'écoutes. Ouais, ouais. Tu as un truc de justement, voilà. T'es loin de. Je pense que, de nouveau, notre ère contemporaine, en tout cas pour une partie des gens, est loin de ce fait de. J'ai un truc à faire dans ma vie et c'est ça ma vie. Et il y en a qui ont encore ça. Et que de nouveau ça leur correspond très bien. Moi que comme je dis, voilà, dans mon parcours artistique, je viens de la danse et j'aime à dire tout ce que je fais c'est de la danse. Quand je chante, je danse. Quand je joue de la batterie, je danse. Quand je joue de percus, je danse. C'est juste, je l'ai transformé en une autre forme, mais je tendrais à dire le fuel est le même, voilà, tu gardes la même humeur, tu gardes la même sociabilité, tu gardes. Mais tu la passes par un autre vecteur, un autre médium, simplement. Et ça, je reviens que ça, c'est des rapports de choix, d'envie aussi, t'as pas peur de ça. De changer. C'est presque de la survie. Alors là, je pars encore un fois que pour moi. Mais c'est presque de la survie, quoi, tu vois. En mode, et je sais pas, il y avait des boulots que j'adore quand je commence ce boulot, et puis à un moment, c'est genre... Putain, mais c'est tout le temps la même chose. Ah, mais ouais, il y a peut-être ce nouveau truc qui va se ramener, mais je sais déjà, au fond, s'écouter. Je sais déjà, au plus profond de moi, que là, ça va pas me parler et que pouf, je suis allé fuir en Inde 6 mois et je suis allé apprendre la musique indienne, même chose. Tomber sur des gens curieux, pas des gens racistes, des gens curieux, genre, qu'est-ce que tu viens foutre ? Alors, grande ville, c'est différent, hein, ils ont l'habitude, mais t'es dans un petit village et puis, ok, viens chez nous, viens faire de la musique. Ah, tu joues bien, viens dormir chez moi si t'as pas d'endroit où dormir et tout. Et que, je sais pas ce que je suis en train de dire, mais, survie. Et que donc, ce truc est plus en mode, je crois que si je ne l'aurais pas fait, limite, je serais tombé dans une profonde tristesse et un profond mal-être, en mode, mais qu'est-ce que je fous là ? Et qu'il y a cette relation à l'énergie en moi, et en même temps, l'énergie de différents endroits qui t'appellent à aller vivre des différents... Yes. Pas forcément endroits, hein, mais aussi expériences ou activités, ou connaissances même parfois, et qui du coup t'appelle à te découvrir et à te redécouvrir, parfois même te réinventer, quoi. Je veux dire, tu m'aurais dit il y a 5 ans, maintenant tu vas faire une émission et parler avec Yvan, je t'aurais dit quoi. Exactement. Et c'est genre je sais pas ce que je suis en train de dire, mais non, c'est bien, t'exposes cette j'irais même jusqu'à dire cette force de d'aller écouter qu'il y a d'autres choses à faire et d'autres moyens et le truc et selon la diversité de ce dans quoi on vit, et tu la pratiques bien.
Ben, je la pratique, mais je sais pas l'expliquer. Et en fait, ce qui est marrant, par contre, à ce niveau-là, c'est que un des trucs, nouveaux trucs que je fais, c'est, hein, c'est ben, comme je t'ai dit, tout ce qui est coaching, donc massage mental. Et justement, ce qui est très marrant, c'est que je me rends compte que le fait de savoir faire ça, ça me permet en fait d'avoir des gens qui viennent et qui disent ah, mon problème c'est ça, et que moi je suis là en mode ok, et qu'en fait je n'ai pas d'attachement au jugement ou quoi que ce soit, et que quelque part je leur montre comment moi j'ai fait le changement et comment ils peuvent faire leur propre changement, ou est-ce qu'ils veulent faire changement, est-ce qu'il n'y a pas changement, quel est l'appel que tu entends en toi qui fait que tu viens de me parler en fait, tu vois. Et que parce que moi j'ai déjà eu des appels comme ça, je peux comprendre les gens qui ont un appel et qui du coup se disent ah bah tiens, François, lui c'est un bizarre qui change tout le temps. Et qui est un peu fou, peut-être que lui il a quelque chose à apporter que je comprends pas. Et que ouais, et parfois c'est assez choquant de voir, tu dis 2-3 phrases du style écoute, tu peux faire la même chose toute ta vie, ou bien tu peux essayer quelque chose de nouveau, et puis de voir qu'il y a des gens qui changent radicalement leur vie alors que tu leur as parlé 15 minutes et que pour eux c'était vraiment significatif, et qu'ils te disent ouais, mais non c'était important, et moi je suis là ok, j'ai juste tu vois. Je pensais des rapports de moments aussi, des rapports de temps de nouveau, peut-être tu les aurais croisés il y a 3 ans ou même peut-être 2 jours avant. Il n'y aurait rien qui serait passé ou quoi. Ils t'auraient posé le cadeau, ils l'auraient ouvert plus tard, ou il y a vraiment, je crois qu'il y a un rapport de temps aussi à ça. Mais c'est marrant, genre jump sur, tu disais ah ben je sais pas, moi j'ai pas besoin de savoir quelque part. C'est aussi un chemin qu'il y a des gens qui font très bien, dans lequel comme je dis voilà, mais moi je sais que j'ai c'est pas le savoir et le contrôle qui m'importe en tout cas. Quelque part je pense que c'est nouveau un rapport de temps. La chose elle est faite. Elle est passée en plus. Ça m'amène à ce que nous on soit là maintenant, à discuter de comment ça va maintenant, quoi. Ouais, clairement. Et moi j'adore le présent, de par le biais de l'improvisation en musique et en danse, que je côtoie beaucoup, et que vraiment ça m'a amené les mots, voilà. C'est le mouvement et le son qui m'ont amené à définir. Avant j'en parlais pas, je pense, jusqu'à je sais pas quel âge j'en parlais pas, je passais au travers. C'était laisse-moi tranquille, je vais danser. Ouais. Les chevilles autour du cou, on rentre dans la boîte, on va à côté du baffle, quoi. C'était clair. Putain, j'avoue. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que il y a deux trucs que tu as dit qui m'ont fait un peu vibrer. C'est l'aspect cadeau, et puis l'aspect foncé, et l'aspect savoir. Bon, je vais essayer de les lier. Mais le truc, c'est que je me rends compte que pour moi, le fait de savoir, c'est plus me rassurer dans des impulsions que j'ai en moi, mais que je ne fais pas confiance, en fait. Et donc, parfois, je me dis, il faut que je rassure ces impulsions, ou quoi que ce soit, quelles qu'elles soient, en ayant une espèce de base logique derrière, plutôt que de juste faire confiance à « Ah, l'esprit de la boxe m'appelle pour aller être initié, je vais le faire !» Tu vois, je veux dire, quelque part, c'est pas très logique. Bon, t'es considéré presque comme fou par, j'ai envie de dire, peut-être plein de monde. Mais bon, là où en fait, il y a une partie de moi qui fonctionne complètement comme ça, mais il y a une autre partie qui ne fonctionne pas comme ça. Et donc voilà. Et à propos des cadeaux, justement, il y a des trucs que maintenant, parce que en fait, je sors d'une période de transformation intense où j'étais en train de remettre plein de trucs que je faisais en question. Et le truc qui est marrant, c'est que tu disais les cadeaux que quelqu'un peut te donner, tu vois, et que ouais, t'es que prêt à certains de ces cadeaux à un certain moment. Et ça, c'est un truc que je me rends compte. Il y a des choses que j'apprends sur moi maintenant qu'on m'a déjà dit il y a 15 ans, tu vois. Évidemment. Et il fallait 15 ans de vie Bruxelles pour se rendre compte de ceci, ou je sais pas quoi. Non, on n'est qu'une personne, hein, mais elle est complexe, je pense. Elle est diverse, ouais, on est d'autant plus avec... Nos dernières années de multi-information et de multivisualité, de tout ce qui nous entoure, et de quelque part c'est d'autant plus ardu de prendre le temps de pouvoir bien s'écouter, quoi, et de se dire bah non, oui, c'est, en fait c'est ça que je veux. Mais ça reste très intense mais simple. Intense et doux. Je reviens avec ça. Ça, je sais que c'est, je parle de moi, c'est vraiment un rapport de moi, ça me fait du bien, quoi, que ce soit doux, mais que je me rends compte que c'est intense et très vaste. Voilà. Et ça, c'est à tout un chacun, quoi, le choix de se dire
De nouveau, est-ce qu'il faut, est-ce que je dois? Moi, je pense qu'il faut pas et que je dois pas. De plus en plus. Mais ça fait du bien. Mmh. Ça me met pas dans le jeu masqué. Et justement, c'est loin d'être d'attendre ce qui se passe. C'est de vivre ce qui se passe. Voilà. Mmh. C'est aussi, enfin, il y a presque quelque chose au niveau de... Enfin, j'utilise le mot libération et le mot qui m'est venu, c'est les chaînes. Tu vois, quand tu dis je dois et il faut, c'est presque comme une chaîne qui te prend. C'est un gros sac, ça. Ouais. Alors que si tu dis je veux ou je vais ou je choisis de, tu vois, c'est il y a quelque chose de l'ordre de cette chaîne, elle devient, je sais pas, presque un outil qui te permet d'aller vers plutôt qu'un truc qui te bloque, tu vois. Et Mais du coup, au niveau personnel. C'est marrant, je vois trois oiseaux vélolés qui me qui m'hypnotisent. Ouais, belle vue ici. Ouais. Nice. C'est du bien l'horizon. Les amis, l'horizon, ça fait du bien à la vie. Où que vous soyez, que ce soit la mer, que ce soit la campagne, que ce soit autre chose que ce soit. Si vous pouvez vous permettre d'avoir des horizons larges, je pense que ça fait du bien à la vie. Je crois que pour moi, ce que ça me fait du bien surtout, c'est que, tu vois, bon, il y a plein de bâtiments là. Il y a plein de petites fenêtres et tout. Je sais qu'un des trucs que moi je fais souvent, c'est juste regarder ces fenêtres et me dire, là-bas, dans chacune de ces fenêtres, il y a probablement un gars comme moi qui prend sa vie trop au sérieux. C'est et qui du coup est en train de se prendre la tête pour rien. Et je me rends compte que ça me rend complètement insignifiant et inutile. Et quelque part, c'est libérateur, en fait, de se rendre compte qu'on ne vaut rien. Ouais. Et du coup, tu fais tes choix et tu fais ce que t'aimes bien. C'est marrant, on a bien et rien, ça a sonné en même temps quand on vient de parler. Je sais pas, si tu te sens de jouer un truc, tu voulais jouer un truc, prendre un instrument, j'ai vu que t'as... on se fait un petit duo, je prends ma percue, tu prends ta flûte. C'est pas pour toi, on pourrait peut-être clore la session comme ça, je ne sais pas. Oh, bah on peut clore comme ça, ouais. Bon, d'habitude, écoute, on va clore comme ça, c'est très bien. C'est comme bien. Tu le... Je me mets à l'aise. Nous, hein. Thank you.
Bon ben merci d'avoir écouté et voilà, on vous souhaite une bonne soirée, matinée, je suppose après-midi. Quand avec plaisir les amis, avec plaisir. Voilà, et avec plaisir, joie, et c'est tout. Mega bomba. Ouais, cool, c'est la première fois que je fais de la musique, tiens. Je crois que je vais en faire plus souvent. En fait. des petits massages comme ça, c'est bien. Hein. Ben ouais, juste faire plaisir, un peu chanter. J'ai aucune idée de comment ça va ressortir, parce que en fait c'est des micros.